Security staff for each block, please report to the staff room immediately. Salut à tous et merci de nous retrouver pour cette rencontre décisive. Car oui, il y a des rendez-vous à ne pas manquer, des matchs qui déterminent l'avenir de toute une équipe et celui-ci en fait partie. Il va falloir être solide, garder la tête froide car l'enjeu est bien réel aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et le match est donc lancé. Bon, vous me voyez venir pour l'homme du match. Disons que j'ai une petite idée, mais allez-y quand même. Bon, j'avoue, je pense à David Beckham. Un Anglais, comme par hasard. C'est quand même pas ma faute, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, est anglais, hein. Beckham. De la tête. Oh, Forlan. Oh, quel geste. Barella. Brozovic, une occasion peut-être pour Romario. Barella. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Rafinha. Ça passe à droite. Ils obtiennent la touche. Ça joue long. Quel timing dans l'interception. En retrait pour repartir proprement. Roberto Carlos. Pedri. Ça peut être extrêmement dangereux. Pour Beckham. Dommage que ça ne soit pas allé au bout. C'était une bonne occasion. Barella. Il relance, côté droit. Et non, hors-jeu. Van Dijk. Sochaux, qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. Idrissa Gueye maintenant. Sochaux a décidé de mettre le pied sur le ballon, on dirait. C'est pas faux. Vous savez, la clé pour avoir la possession, ce n'est pas tellement d'avoir des joueurs très techniques, mais surtout qu'ils seront disponibles et qu'ils gèrent bien la pression de l'adversaire. Oh, le bon ballon. Ça cherche la profondeur. Ça part en contre. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Daniel Alves. Van Dijk. Pedri maintenant.
C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. La passe dans la profondeur. C'est bien donné. Attention au contre. Bien, la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut frapper. Et il marque. Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Iago Aspas. Et il trompe le gardien. Yes, 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 yes. Pas le temps de douter. Ils égalisent déjà. Oui, ça montre leur force de caractère. Ça aurait pu leur mettre un coup derrière la tête, mais ils ont su rebondir. La passe était parfaite. Le tir n'est pas mal non plus. Oui, le service était impeccablement dosé. Ça l'a parfaitement lancé. Et derrière, il ne tremble pas. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Pedri, il reste solide, il peut repartir avec le ballon. Va-t-il en profiter? C'est joué dans l'espace. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Rafinha. Iago Aspas. Oh, c'est intercepté. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Voici Romario. La longue passe. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Oui, le geste défensif est parfait. Ce contre aurait pu faire très mal. Il joue sur sa gauche. Il est passé. Attention, la frappe. Un but hallucinant de Sochaux. Voilà la situation complètement inversée. Il est allé au bout de son idée. C'est magnifiquement exécuté. Oui, il n'a pas hésité à prendre des risques pour se mettre dans la position idéale. Sacré but. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Il relance côté droit. Ça rejoue au centre. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Ça joue à gauche. C'est joué long. La bonne passe. There will be 1 minute added time. Non, ça manque d'application. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Sochaux qui a réalisé un véritable exploit sur le fil, moment exceptionnel. C'est la mi-temps, que vous inspire cette rencontre jusqu'ici? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. 2-1 au tableau d'affichage, un seul petit but les sépare. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Lindelöf. Pedri. Rafinha reçoit le ballon. Bien servi. Bien servi. Oh, la frappe! Repoussé par le poteau. Voilà, belle contre-attaque. Il avance bien. La bonne interception. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Bonne intervention. Rafinha. Forlan. Barella. Il est bien placé. Perisic qui centre.
Bien le gardien, il capte. C'est joué long, attention. Ça passe dans l'axe. Iago Aspas. Il a de l'espace. Rafinha. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. L'arbitre désigne le poteau de corner. Ce sera le premier corner du match. Et ce corner à la rémoise. La passe est précise. Ah, il a joué à deux. Il met le ballon dans la surface. C'est joué dans la profondeur. Corner mal négocié. Le contre à suivre. Oui, ça peut faire mal. L'assistant lève son drapeau. Rafinha. Iago Aspas. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Et ça peut partir en contre. Il cherche la profondeur. Attention, dans l'axe. Oh, Forlan. Forlan. Et ça venait de loin, il répond présent. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser les adversaires tirer de loin. Oh, le bon ballon. Parella. Et il le dépossède du ballon. Le ballon dans la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Romario. Perisic. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? C'est vrai, Grégoire. Idriss Agueye, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Pedri. Sur la gauche. Ansu Fati. Bien servi sur le côté. Oui, il peut frapper là. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. C'est joué long, c'est dangereux. Il préfère jouer avec son gardien. Daniel Alves. Rafinha. Dans la profondeur. Daniel Alves reçoit le ballon. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Voici Romario. Et il cède sous la pression. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Substitution on the field. Un peu de sang dans les 30, deux équipes. Number 4. Van Dijk. C'est bien 20. Fait ça. Le bon dribble. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Coming. C'est vraiment dommage. Il manque toujours un petit quelque chose. Number 22. Iniesta. Number 13. Dans la profondeur. Romagnoli. Ça passe dans l'axe. Il est là, non, mais c'est la tentative. Oh, le but.
Ils viennent peut-être de tuer le match. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir. Et le doublé. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Idrissa Gueye. Oh oui! Ah, il a failli en profiter. C'était bien joué, cet intestin. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et cette victoire leur permet d'atteindre leur objectif, et avec la manière. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario? Écoutez, je pense que...